J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est full électrique. Je pars à Deauville en Tesla Model 3. Première chose déjà, il n'y a pas de clé. Ça se passe avec ton téléphone portable, il est connecté à la voiture. J'ai pas de clé dans la poche, hein. Y a pas de clé. Donc dès que tu t'approches, si ton téléphone est connecté en Bluetooth, ça s'ouvre, ça marche. Donc voilà, là je suis dans un petit parking parisien, j'ai trouvé une prise. Donc comme ça, elle est à 100% pour le départ. Donc d'abord, on va la débrancher de la voiture et ensuite de la prise. Alors tout se passe sur le téléphone, t'as l'application Tesla, hop, déverrouiller la prise, c'est bon. Bon, premier péage, on va voir ce que donne l'accélération. Je la mets en mode accélération sport. Vous allez voir le décollage. Attention, vous êtes prêts? Wow. Regarde, 80, 130. Conduite semi-autonome. Et ensuite, merde. Bon, voilà, j'ai fait tomber ma carte de crédit au fin fond de cette immense trappe, donc faut quand même garder l'attention, hein. C'est pas un pilote automatique au sens autonome. Là, tu mets l'autopilote de dernière génération. Là, je veux me remettre sur la file de droite, je mets mon clignotant. Regarde, la ligne elle apparaît en pointillé, je fais rien sur le volant, je change tout seul tranquillement de voie. Voilà, et il s'adapte évidemment sur la vitesse de la voiture de devant, mais ça c'est pas nouveau. Bah, direction Deauville, on va s'arrêter à Rouen pour voir comment se passe le superchargeur. Mais comme elle était chargée dans le parking, il nous reste 66 km pour arriver à Rouen et on est à 82% de batterie en partant de Paris, pleine charge. Voilà comment se passe la conduite pour moi. Tu gardes une main sur le volant pour qu'il détecte que tu t'endors pas, sinon il te met un message d'alerte. Ah oui, ce qui m'a fait hier quand je l'ai ramené de chez Tesla la voiture, j'étais en mode pilote automatique et je me suis dit bah, cool, tranquille, j'ai le temps. Il m'a mis la petite alerte, remettre les mains sur le volant, et je l'ai pas vu tout de suite, donc il m'a bipé, il m'a désactivé l'autopilote, et quand j'ai voulu le remettre, il m'a dit non, parce que vous avez ignoré l'alerte comme quoi fallait remettre les mains sur le volant. Donc impossible de remettre l'autopilote, c'est une voiture donneuse de leçons. Si tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit, elle te punit. C'est très très épuré, c'est assez déroutant. Pour l'instant, le seul reproche que je lui ferai, c'est pas d'affichage tête haute. M'a dit ouais, l'affichage de la vitesse il se fait ici, c'est dans ton champ de vision. Pour l'instant je m'y habitue pas trop. Faut quand même détourner le regard de la route pour aller voir la vitesse parce qu'il n'y a pas de compteur, et ça c'est dommage, pas d'affichage tête haute je trouve. Alors j'ai encore trouvé un autre menu qui se trouve ici au niveau de énergie. Donc là je le ferme, hop, énergie. Et donc en fait il donne ta consommation d'énergie en fonction des 50 derniers kilomètres, 25 ou 10 kilomètres. Et donc là c'est instantané la prévision des kilomètres restants. Donc en roulant comme ça à 130 km/h, il me reste 264 km. Sur ma consommation moyenne, il me reste 318 km. Et sur la jauge de batterie, il me reste 389 km. Je sais pas trop lequel croire, mais plutôt celui qu'il y a dans énergie, il m'a dit, ça, c'est les vrais kilomètres. S'il te reste 26 km en prévision, il te reste 26 km. Sur le trajet que tu as fait, voilà la jauge de batterie, comment elle descend. Là, c'était au départ 39 km et ça, c'est au point d'arrivée si tu as mis ton GPS. C'est vraiment très bien fait. Donc normalement, arrivé à Rouen, il devrait nous rester 64% d'autonomie. Direction Rouen, l'autopilote. L'autopilote, le superchargeur. Cette Model 3, elle a été présentée il y a déjà un moment avec des précommandes ouvertes et un record de précommandes, je crois qu'il y a eu 300 000 précommandes, un truc comme ça, Tesla n'était même pas prêt. Là ça y est, les premières livraisons ont commencé en début d'année. Ah, elle se met à se ventiler un petit peu parce que faut refroidir un peu les batteries pendant la supercharge. La Model 3, c'est une sorte de Model S mais un petit peu plus petite pour une utilisation vraiment plus familiale, plus quotidienne et surtout plus citadine. La Model S en ville, elle est vraiment très longue. Celle-ci est plus courte, c'est à peu près le même segment que les Mercedes Classe C, BMW série 3 en termes de gabarit. On a deux versions pour l'instant, toutes les deux en 4 roues motrices. On a la version long range et la version performance. Celle-ci, c'est la performance. Celle-ci a la particularité du coup d'avoir les performances les plus rapides et un petit peu moins d'autonomie. On a des plus grands freins avec des étriers de freins plus puissants. Et on les reconnaît, les performances, on les reconnaît parce qu'elles ont les étriers rouges. Je vais revenir aux caméras qui est à peu près partout sur la voiture. Il y en a deux de chaque côté ici, deux de chaque côté là. Il y en a trois devant et puis il y a des capteurs à ultrasons un peu partout. C'est vraiment une voiture impressionnante de technologie. Évidemment, tout électrique, ça vous l'avez compris.
On a ici un grand pare-brise, un toit vitré. Enfin, tout est vitré ici, mais c'est en deux parties. Et la performance, elle a ce petit béquet en carbone satiné qui est très très joli. Hop, application Tesla, donc là elle est en charge. C'est connecté par internet, la voiture a une carte 4G. Là on a 427 km d'autonomie, 25 minutes restantes si on veut aller à 100%. Mais en fait ce qui se passe sur les batteries, c'est que pour aller de 0 à 80% c'est très rapide. Et pour les 20 derniers pourcents c'est très très lent. C'est pas comme un plein d'essence où c'est linéaire. Donc si je veux déverrouiller la voiture, hop j'appuie là, elle s'ouvre. Si je veux ouvrir le capot avant, hop, le capot il s'ouvre. On peut même faire des choses délirantes avec, ce que vous verrez dans l'autre vidéo sur vraiment tous les gadgets de la Tesla. Là on l'a rechargé 20 minutes. Quand on ferme la porte, ça s'affiche en gros sur l'écran le temps restant et l'autonomie qu'on a gagné. Là en 20 minutes on a gagné 113 km d'autonomie. Restez dans la vidéo, je vais vous expliquer la dénomination du nom des modèles chez Tesla, modèle S, modèle X, modèle 3. Pourquoi ils les ont appelés comme ça. Vous allez voir, chez Tesla c'est des grands malades. Du coup, un petit peu de conduite en ville avec cette Tesla Model 3 Performance. Là, j'ai mis l'accélération en mode confort. Donc ça se sélectionne via le menu ici, contrôle rapide. Si tu mets sport, le risque de partir avec des à-coups est assez important parce que la pédale est très sensible. L'équivalent de 456 chevaux électriques, mais surtout 639 Nm de couple disponible à 0 tour minute. C'est ça qui fait l'effet catapulte en fait, c'est l'énorme couple disponible tout de suite, 0 tour minute, donc dès l'arrêt, dès le moment où tu poses le pied sur l'accélérateur, tu décolles. Donc en confort, ça donne un peu plus de souplesse et ça permet de conduire un peu cool, sinon t'es comme ça. Tu vois, là je vais m'arrêter au feu, je lâche l'accélérateur, là je ne touche pas au frein. Le seul moment où je vais toucher au frein, c'est vraiment pour la mettre là, à l'arrêt. Sinon, tu n'utilises quasiment jamais le frein sur cette voiture. Donc le seul moment où tu vas utiliser le frein, c'est pour faire un freinage d'urgence, si quelqu'un freine devant toi, ou pour t'arrêter au feu. Le freinage récupératif d'énergie est tellement important que pas besoin de toucher à la pédale de frein, ce qui te fait économiser des plaquettes, des disques, tu pollues pas avec des particules de frein et ça te fait économiser de l'entretien aussi. T'auras jamais à les changer quasiment. Bon voilà, vous reconnaissez peut-être, je suis à Deauville pour le week-end. Je vais vous montrer quand même un petit peu du coup l'habitabilité et les aspects extérieurs de la voiture. Donc là on a les jantes de 20 pouces qui sont très jolies. Sur le modèle Long Range, si on les prend en option, elles sont un petit peu plus petites. Regardez, comme il n'y a pas de tunnel de transmission à l'arrière. Bon alors ça c'est manteau par terre, c'est le résultat de freinage et d'accélération en mode performance. Il y a trois vraies places avec trois sièges chauffants et pas de tunnel de transmission ici. Là on a deux prises USB très pratiques pour recharger. Et surtout, regardez la hauteur qu'il y a au-dessus de ma tête. Ça c'est grâce au toit en verre. Parce que si on avait un toit en métal, on aurait ça d'épaisseur en plus. On a un immense toit en verre qui part du coffre, qui va jusqu'au pare-brise à l'avant. Et donc ça permet aux passagers arrière d'avoir, enfin franchement, un espace assez impressionnant. Là, on a un petit accoudoir avec deux portes gobelets. Et les sièges sont rabattables si tu veux mettre plus de trucs dans le coffre. Donc le coffre, je vais vous le montrer. 425 litres, mais sans haillons. Tu peux rabattre les sièges arrière, mais ici, pas de haillons. Donc si tu as besoin de rentrer de très grands meubles, oublie, ça va pas être possible. 425 litres, c'est quand même assez grand, ça va jusqu'au bout là. Et surtout, en dessous, tu as une trappe, un double fond immense qui permet de mettre les câbles de chargement que te file Tesla. Pack performance, petit aileron en carbone, très joli. Et le coffre à l'avant, donc soit tu l'ouvres avec ton téléphone, soit à l'intérieur, hop, t'appuies sur ouvrir. Et voilà, tu peux mettre une valise quand même. Donc l'intérieur, ici en noir, il est disponible en noir ou en blanc. Donc les sièges sont en cuir, très confortables, chauffants, ils sont pas ventilés. Quand tu mets le pied sur le frein, il se met sur ton profil conducteur et tout se remet à la même place. Et ce qui est très perturbant sur la Model 3, c'est la planche de bord. C'est la première fois que moi je vois ça sur une voiture. Ici, il n'y a pas de compteur, pas d'affichage tête haute. Il y a juste une immense planche en bois de frein. Ils auraient pu mettre en option du piano black ou du carbone. Le frein, c'est joli, mais ça fait un petit peu bizarre, je trouve, dans la voiture. Ça dénote un petit peu. Et donc, tu as juste un volant et un immense écran. Le volant, il est très, très simple. Objectivement, il n'est pas hyper beau. Ils auraient pu faire peut-être un truc un peu plus joli ou un peu plus sportif. C'est pas très joli. Là, t'as deux Komodo, un pour les clignotants et les essuie-glaces, et là, pour contrôler marche avant, marche arrière, neutre et parking au bout. Donc ici, il y a tout l'ordinateur. Je ferai dans une vidéo séparée comment il fonctionne, tout ce que tu peux contrôler avec, et aussi les petits gadgets cachés par Tesla dans l'ordinateur. Ça, c'est assez marrant. La visibilité est bonne dans la voiture. Il n'y a pas trop d'angle mort parce que ici, il y a une petite lucarne qui est ouverte. On voit bien dans les rétros.
Les sièges sont vraiment confortables. Il y a énormément de place dans cette voiture. C'est ça qui marque le plus. C'est vraiment le même gabarit qu'une Classe C ou qu'une Série 3. Mais à l'avant, regardez comme la planche de bord est reculée et comment la cabine est grande, en fait, tout ça, parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant. Donc, il y a énormément de place et énormément de rangement. Dans les portes, tu peux mettre des choses. Ici, tu as des portes gobelets. Là, si tu appuies, ça s'ouvre. Donc, tu peux poser ton téléphone et tu as même déjà des prises iPhone et USB pour recharger ton smartphone. Ici, ça s'ouvre aussi. T'as une immense trappe, regardez comme c'est profond. Et ça va derrière là, parce que ça, ça se soulève. Tu peux mettre énormément de choses ici, ça se referme. Et là, sous l'accoudoir, ici, t'as un petit vide-poche que tu peux déplacer. Et si tu l'enlèves, ça va encore plus profond. Ça va jusque là. Et là, t'as une prise 12 volts, allume-cigare pour brancher des choses, si t'as besoin de brancher des choses. Donc, intérieur très très épuré, mais très fonctionnel une fois que tu t'y es habitué. Parce que quand t'arrives dedans, tu dis, oula, comment je règle les rétros? Comment je règle le siège? Comment je règle le volant? Tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais une fois que tu t'y es habitué, tout ça fonctionne très en harmonie. Donc là, normalement, tu as ta musique parce que le système audio est très bon. Je vous le mets pas en route pour des questions de droit d'auteur, mais le système audio est vraiment très bon. C'est pas un système de marque, mais la qualité des basses et l'impression d'immersion sonore est très très bonne. La voiture est confortable. Malgré l'abaissement d'un centimètre de la hauteur de caisse pour la Model 3 Performance, malgré les jantes de 20 pouces, elle reste très confortable. La caisse de l'extérieur est assez basse, au fait attention au dos d'âne. Pas une seule fois ça a touché, mais je les prends quand même doucement. Et aussi, ce qui est particulier aux voitures électriques, c'est que tu as un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière et une boîte à une vitesse. Tu as une seule vitesse, donc quand tu appuies, ça fait vraiment, quand on dit que ça décolle comme un avion, c'est parce que ça te fait la poussée continue. Il n'y a aucune rupture de vitesse et il n'y a aucune rupture sonore. Sur une Ferrari, tu as une boîte à double embrayage, donc tu n'as aucune rupture de vitesse. Après, ils introduisent un à-coup artificiel pour renforcer le caractère sportif. Mais là, tu n'as pas de bruit, donc tu as juste de l'accélération et ça s'arrête jamais. Là, on est en mode confort. Je vais passer en mode sport tout de suite. Sport. Et alors là, si tu appuies, waouh, c'est le direct de Mike Tyson qui t'envoie au tapis là. C'est impressionnant. C'est une catapulte. Et en fait, contrairement à un moteur thermique qui a besoin de prendre des tours, là, il n'y a pas besoin de prendre des tours. Tout est disponible dès que tu appuies sur la pédale d'accélérateur. Donc, l'équivalent quand même de 456 chevaux thermiques, parce que là, on parle en kilowatts. Je ne me rappelle plus exactement de la puissance totale en kilowatts. Elle s'affiche ici. Évidemment, 4 roues motrices. Hein. Il y aura des versions propulsion sur la Model 3, mais elles ne sont pas encore présentes en Europe. Elles vont être introduites là très bientôt aux États-Unis. Et donc voilà, on peut se dire l'équivalent de 456 chevaux sur une route un peu avec des graviers, un petit peu humide et tout, ça va être délicat. Mais il ne faut pas oublier que la voiture fait 1 tonne 8. On ne les sent pas du tout au volant, mais ça permet que la voiture soit bien assise sur la route et qu'il y ait du poids sur les roues. Donc la motricité est quasiment impossible à mettre en défaut. T'accélères en sortie de virage en mode sport à fond, tu mets un coup comme ça dans l'accélérateur, c'est très violent, mais t'entends pas une seule once de patinage. C'est très très impressionnant. Ils ont vraiment très très bien calibré. Et elle a un comportement très sain. Les batteries sont vraiment dans le plancher de la voiture au niveau des roues. Donc le centre de la gravité est tellement bas qu'en virage, y a pas, la voiture ne tombe pas, il n'y a pas de roulis. Et dans un essai comme ça en vidéo, c'est difficile à chaque fois que j'essaye une Tesla de faire rendre compte de l'accélération. Parce que sur une Ferrari, sur une Porsche, sur une Lamborghini, il y a un moteur hurlant. Quand tu regardes la vidéo et que tu ressens pas toi-même l'accélération, tu la ressens au travers du son du moteur, tu vois. Là, c'est incroyable. La force de l'accélération, c'est brutal. Et on n'entend rien. C'est très, très particulier, un peu perturbant au début, et ça s'arrête jamais et ça fait aucun bruit. Cette voiture fait énormément tourner les têtes, non pas par son bruit comme une Ferrari, mais par son look, parce qu'il y a les gens qui reconnaissent que c'est une Tesla Model 3, elle vient de sortir, donc on n'en voit quasiment pas. Elle est très impressionnante en blanche, c'est une peinture à multicouches en option à plus de 2000 €. C'est une des rares options d'ailleurs sur cette voiture. Et il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de grille à l'avant. Ça, c'est ce qui est perturbant dans le look. Au début, c'est ça. Mais en fait, pourquoi toutes les autres voitures ont une grille? C'est parce qu'il faut refroidir le moteur thermique. Ici, il n'y a pas de moteur thermique à l'avant. Il y a un coffre. Et surtout, ça lui permet d'avoir un CX, qui est le coefficient de pénétration dans l'air, donc le coefficient aérodynamique de la voiture, très très bas. Elle a un CX incroyable, ce qui lui permet
de consommer moins d'énergie quand elle roule parce qu'elle glisse plus facilement dans l'air que les autres voitures qui ont une grille à l'avant, ce qui fait une forte prise au vent. Là, on va voir un petit peu ce que donnent les capacités dynamiques de ce modèle 3, performance, jante de 20 pouces, châssis un peu rabaissé, frein renforcé. Voilà, alors là, le freinage, déjà, il n'y a même pas l'ABS qui se déclenche, mais alors, à l'accélération comme au freinage, si vous avez des trucs qui se baladent dans la voiture, ça va valdinguer parce que l'accélération est tellement brutale. Ton téléphone, tout ce que tu as émis derrière, ça va voler. Hein. L'accélération, elle décélère de manière très franche et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle fait 1,8 tonne. Pas de frein en carbone céramique ici et tu peux freiner et enfin je vais vous faire un petit départ arrêté, je peux pas résister. Là la batterie est pas chargée à fond, il nous reste 205 km d'autonomie, donc on est peut-être à 40% d'autonomie restante. Donc c'est pas comme un moteur thermique où jusqu'à la dernière goutte de sang du réservoir, dernière goutte d'essence, t'auras la même accélération. Et même plus parce que plus le réservoir est vide, plus la voiture est légère. Là, moins il y a de jus dans la batterie, moins quand même ça va accélérer fort. On n'aura pas les mêmes performances quand la batterie est déchargée que quand la batterie est chargée à fond. Imagine que tu as une voiture télécommandée avec des piles. Bah, si les piles sont un peu faiblardes, l'accélération de ta voiture télécommandée sera un peu faiblarde. Impressionnant, là on est sur une petite route. C'est impressionnant. Mais il n'y a aucun bruit, c'est ça qui est déroutant. C'est très 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 étonnant comme sensation, ça catapulte. Et en même temps, après, tu glisses sur la route. Je faisais la réflexion l'autre jour, c'est comme quand tu démarres, si tu enlevais ton frein à main dans une côte et que tu laissais rouler la voiture, sauf que là. Évidemment, à chaque freinage, tu régénères de la batterie. C'est vraiment très très impressionnant tout ça. De l'extérieur, la voiture ne fait aucun bruit à part le bruit du roulement. Il y a des voitures style Zoé, Autolib à Paris qui faisaient un petit bruit de voiture futuriste, tu vois, un petit bruit de soucoupe volante pour qu'on les entende. Celle-ci ne fait aucun bruit. Peut-être que ce serait un truc à changer, par exemple, parce que sinon il y a un vrai klaxon, hein, t'appuies, ça klaxonne. Mais il faudrait peut-être un petit klaxon électrique, genre toum toum toum. Juste pour attirer l'attention des piétons, parce que ça peut être perturbant des fois, les gens ne t'entendent pas arriver. Donc ça peut être un petit peu dangereux, faut faire attention. Les gens quand ils traversent, ils se fient surtout à leur audition, ils regardent pas tous. Les performances, on en a déjà parlé. 0 à 100 km/h, 3 secondes, 4, 261 km/h en vitesse de pointe sur la Model S Performance. C'est délirant, cette accélération en sortie de virage, en ligne droite. C'est vraiment des accélérations que j'ai ressenties pour l'instant et des reprises que à moto. Parce que la moto, elle a le moteur thermique, mais elle a la légèreté. Et donc, il n'y a pas d'inertie quand tu accélères, ça part tout de suite. La Tesla Model 3, oh là là, c'est pareil. Si elle pouvait faire un wheeling, elle ferait un wheeling. Après, tu n'as pas l'émotion forcément du bruit moteur. Moi, le bruit moteur, je dis toujours que ça fait dans une voiture de sport 50% du plaisir. Et je le maintiens. Une Lambo, une Porsche, une Ferrari, ça te fait vraiment kiffer grâce au bruit. Là, est-ce que tu vas t'en lasser? Je sais pas, parce que c'est un peu toujours la même chose, l'accélération. C'est très très impressionnant. Elle procure pas autant d'émotions mécaniques qu'une Porsche, qu'une Ferrari. En revanche, t'as l'impression de piloter une fusée Falcon mixée avec un iPhone. Et donc, une fois que tu as bien fait joujou et que tu as déchargé la batterie, soit tu la ramènes chez toi, tu la branches sur le secteur 220 volts, ça marche sans problème, et tu la recharges sur la nuit, soit tu te trouves un petit superchargeur et tu recharges 80% en 20 ou 30 minutes. La Model 3 Performance, ils annoncent une autonomie de 530 km. La Model 3 Long Range, donc celle qui n'est pas performance mais qui a un peu plus de batterie, ils annoncent 560 km. Donc il n'y a que 30 km de différence au final entre les deux. Autant prendre la performance. Après, elle est plus chère. Donc, je vous le cache pas, je sors la fiche. Donc, pour ce qui est du prix, batterie grande autonomie, prix de base 51 900 euros. Celle-ci, prix de base 62 800 euros. Donc, 11 000 euros plus cher. Mais celle-ci, de base, a le pack performance.
avec l'aileron en carbone, les jambes de 20 pouces, les freins performance, les suspensions ABC, le pédalier en aluminium qui est très joli, et la vitesse maximale augmentée de 233 km/h sur la long range à 261 sur celle-ci. Et il y a un mode circuit. Pour ce qui est du prix, t'as le prix de base, et il n'y a quasiment pas d'option dit Tesla à rajouter. Il va y en avoir 3 quand même. Si tu veux une belle peinture comme celle-ci, c'est 2100 €. Et si tu veux toutes les aides à la conduite, ça va être une option à plus de 8000 €. Qui se décompose en deux parties. Un, t'as l'aide à la conduite relativement classique. Donc régulateur de vitesse adaptatif et maintien dans la ligne. Ça, c'est les aides à la conduite de niveau 1. C'est 3200 € d'option. C'est indispensable. Tu prends une Tesla quand même pour avoir un pilote automatique. Si tu prends pas ça, ne prends pas une Tesla. Donc tu rajoutes 3200 €. Et ensuite, il y a le deuxième pack d'aide à la conduite, qui est, je dirais, le pack de niveau 2, qui est un petit peu étonnant, mais il faut le prendre. Il coûte 5300 €, mais c'est ce qui va permettre à ta Tesla dans le futur d'être une voiture autonome. Ces Tesla aujourd'hui sont construites avec assez de capteurs et de caméras pour être dans le futur des voitures autonomes si tu prends ce pack conduite autonome à 5300 €. Donc tu le prends, mais tu peux pas l'utiliser parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir une voiture autonome sur la route pour l'instant. Mais dès que ce sera le cas, ta Tesla, elle en sera capable et tu pourras la vendre même en voiture d'occasion en tant que voiture autonome. En fait, si tu prends pas ces options, ta Tesla, à mon avis, ça va être très très difficile de la revendre. Donc on arrive sur un total pour cette voiture avec ces options de 73 400 €, bonus écologique déduit de 6 000 €. Maintenant, quand on parle de Tesla, on parle de voiture électrique, on parle du futur, on parle d'écologie. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais parler un peu des questions que ça soulève. Parce que l'écologie, c'est beau, mais il faut voir plus loin que le bout de son nez. Pour moi, il y a pas mal de gens qui achètent une voiture électrique un peu pour se donner bonne conscience. Parce que si on regarde sur le bilan à long terme de la voiture, ok, elle va pas émettre de CO2 ou de particules fines si c'est un diesel, mais il y a un nouveau composant dans cette voiture qui est pollué de manière non négligeable, c'est la batterie. La batterie, il faut extraire le lithium, et ensuite, en fin de vie de la batterie, il faut les recycler. Et pour l'instant, il y avait très très peu de batteries qui étaient recyclées, et ça pollue énormément. En fait, pourquoi on ne les recyclait pas trop, les batteries? C'est un problème économique tout simple. Ça coûte moins cher de produire une nouvelle batterie que de recycler une vieille batterie. Donc tant que ce problème économique est en place, les compagnies sont là pour faire de l'argent, c'est logique. Elles ne vont pas payer plus pour un truc où elles peuvent payer moins cher à côté. Maintenant, les gouvernements obligent aux compagnies qui proposent des voitures électriques de recycler une partie non négligeable, importante, de leurs batteries. Donc ce problème un petit peu de « on produit des batteries mais on recycle pas les anciennes » n'est plus tout à fait vrai. Donc il y a ce problème-là du bilan pollution sur tout le cycle de vie de la voiture. Parce qu'on se dit, une voiture thermique, en fait, c'est ça qu'on entend souvent dans les médias, une voiture thermique, au long terme, ça pollue moins qu'une voiture électrique, parce qu'une fois qu'elle est produite, elle rejette juste du CO2, mais il n'y a pas tout ce qui est pollution de la batterie et tout. D'accord. Mais est-ce qu'on pense, ça on n'en parle pas, de la pollution liée à l'extraction du pétrole et au raffinage du pétrole dans les raffineries? Ça, c'est aussi beaucoup de pollution. Et alors, donc les estimations les plus récentes disent que au bout de 100 000 km, une voiture électrique est moins polluante qu'une voiture thermique. L'autre problème, c'est que, très bien, on émet plus de CO2, on émet plus de particules fines, on émet aussi, ça on n'en parle pas, beaucoup moins de particules de plaquettes de frein, parce qu'au freinage, ça, si on mesurait dans les villes les taux de ces particules, ce serait, tiens, une Tesla, ce serait des taux énormes. Mais admettons que toutes les voitures deviennent électriques, il va bien falloir produire l'électricité pour les recharger. Ça va être un besoin énorme en électricité. Est-ce que les villes aujourd'hui seraient capables de supporter que toute la nuit, toutes les voitures de la ville rechargent? Pour l'instant, je sais pas, c'est pas sûr. Et en plus, on est en train de se dire, le nucléaire, faut arrêter, c'est pas bien. Ça, c'est un autre débat, mais du coup, c'était une source énorme, énorme d'électricité en France, et c'est toujours. Donc si on arrête le nucléaire, d'où on va tirer cette électricité? L'autre activité de Tesla, de Elon Musk, c'est qu'il fait des voitures, il fait des fusées avec Falcon, mais il fait aussi des batteries. En fait, Tesla va devenir le premier producteur au monde de batteries. Ils sont en train de construire, alors écoutez bien, ils sont en train de construire dans le Nevada, dans le désert du Nevada aux États-Unis, la plus grande usine de batteries au monde. Donc là, ils en sont qu'à 36% de sa taille finale totale dans la construction, et sa production est déjà plus importante que le total de toutes les usines de batteries au monde réunies. Donc in fine, ils vont pouvoir produire assez de batteries pour le monde entier. Probablement qu'ils auront le monopole,
Mais le but, ça va pas être de faire des batteries que pour les voitures. Ça va aussi être de faire des batteries pour les maisons. Tesla, ils ont développé des panneaux solaires, des tuiles solaires. Donc ça veut dire que sur ton toit de maison, tu n'auras pas besoin de mettre des panneaux solaires, mais remplacer tes tuiles par des tuiles solaires. Et donc, c'est des tuiles qui permettent de récupérer l'énergie solaire et de la transformer en électricité. Et tout ça sera stocké dans les fameuses batteries Tesla. Donc ces batteries, elles te permettront de fournir ta voiture en énergie, de la recharger. Aussi ta maison, toute l'électricité de ta maison, elle pourra provenir de ces batteries. Et s'il y a trop d'électricité encore dans la batterie, l'électricité peut être réintroduite sur le réseau civil, le réseau de la ville en électricité, ou de le revendre, comme le font déjà certaines personnes qui ont des panneaux solaires, à EDF ou la compagnie d'électricité, peu importe. Faut voir ça en perspective aussi. Ça fait plus de 100 ans qu'on utilise la voiture thermique, le moteur à essence, les hydrocarbures. Ça fait quand même peu de temps, les voitures électriques, qu'on pense à le faire, qu'on essaye de développer ça. Donc, laissons-nous un petit peu de temps pour développer vraiment toutes les infrastructures potentielles nécessaires au bon fonctionnement en harmonie en société de ce système, et peut-être que ça marchera. C'est peut-être pas non plus juste idéaliste de te dire l'électricité, ça pollue pas, c'est bien. Un des problèmes que j'ai rencontré avec cette Tesla et qui se pose pas avec une voiture thermique, c'est que la voiture thermique, tu vois que la jauge est un peu basse, tu fais le plein et tu repartes à ton autonomie. Là, c'est un peu plus compliqué. Si tu trouves un superchargeur, le temps de charge, si tu étais vraiment bas dans la batterie, va être à peu près équivalent quand même à celui d'un plein sur l'autoroute. Parce qu'en effet, quand tu fais le plein, faut faire le plein, faut payer, faut garer la voiture, ensuite tu vas faire pipi, ensuite tu vas prendre un café, et au final, tu as passé 20 minutes sur l'aire d'autoroute. Donc si tu passais ces 20 minutes à recharger ta Tesla qui est basse en batterie, tu récupères 80% de la batterie, et c'est suffisant pour arriver à destination en général. Ah, petit Lamborghini. En revanche, si tu n'as pas de superchargeur, si tu l'utilises en ville au quotidien, cette voiture, tu vas pouvoir la garer chez toi, la brancher sur ta prise 220 volts, ça va être beaucoup plus lent, mais sur une nuit, tu vas avoir de la charge et peut-être la recharger à 100%, parce que en vrai, sur une nuit, tu peux recharger l'équivalent de 150 km, je crois, sur une prise 220 volts. Qui conduit 150 km chaque jour aujourd'hui ? Il y a quand même très peu de gens. Après, il y en aura, et eux, dans ce cas-là, ils pourront faire installer chez eux. C'est quelque chose que Tesla fournit et peut installer chez toi. C'est un chargeur, une sorte d'accumulateur qui va charger avec un voltage plus grand ta voiture, donc il va la recharger plus vite. Il y a une loi qui est passée en France qui s'appelle le droit à l'énergie ou le droit à la prise, je sais plus. Parce qu'un vrai frein en ville, en tout cas, pour avoir une voiture électrique, c'est que les gens habitent dans des immeubles, donc dans des copropriétés. Et que sur ta place de parking, si t'as pas de prise, eh ben t'as pas forcément le droit d'en mettre une. Faut demander l'accord de la copropriété pour qu'ils fassent les travaux, faut payer les travaux, c'est un petit peu compliqué. Et maintenant, aujourd'hui, cette loi fait que t'as juste à prévenir ta copropriété que tu vas faire les travaux pour installer une prise, et ils sont obligés d'accepter. On peut plus trop justifier de frein à l'utilisation d'une voiture électrique. Tu pourras la recharger chez toi, que tu habites dans un immeuble ou dans une maison. Mais donc sur un trajet Paris-Deauville, Deauville-Paris, plus un essai ici routier à Deauville, là, il me reste peut-être un tiers de la batterie. Il va falloir, avant de revenir à Paris, que je passe au superchargeur de Rouen. Si tu mets l'adresse Paris dans le GPS, il va te dire si c'est possible ou pas que tu fasses le trajet. Ça, la voiture le prend en compte. Sinon, elle va te faire passer par un chargeur ou un superchargeur. Des superchargeurs, il y en a de plus en plus en France. Tesla développe énormément le réseau. Il n'y en a pas vraiment partout. Par exemple, là, sur le trajet, il n'y en a que un, c'est à Rouen, ou sinon faire un détour par Caen. Mais sur les grands axes, si tu veux faire Paris-Cannes, il y aura des superchargeurs sur les aires d'autoroute. Donc ils en développent de plus en plus, parce qu'il faut répondre, s'il y a plus de voitures électriques, il faudra plus de chargeurs. Si tu arrives et qu'il faut que tu fasses la queue à la station de supercharge, ça risque d'être un petit peu embêtant. Donc tout ça, c'est des problématiques très actuelles, mais qui se résolvent au fur et à mesure qu'on avance avec les voitures électriques. On rencontre les problèmes au fur et à mesure et on essaye de les résoudre. On n'est pas obligé d'utiliser que les superchargeurs Tesla, on peut aussi utiliser les superchargeurs ou les chargeurs de voitures électriques des villes. Du style, les chargeurs des Autolib qu'il y avait à Paris, ils sont restés. Maintenant, on peut les utiliser. Après, il faut un abonnement. Alors, au début, Tesla ne faisait pas payer. Et maintenant, ils font payer la recharge. Donc, tu payes le kilowattheure au prix de l'électricité, je crois. Les gens sont un petit peu offusqués quand Tesla s'est mis à faire payer l'électricité, alors qu'au début, elle était gratuite pour les gens qui avaient Tesla. Sauf que, les gars, faut aussi se réveiller. L'électricité, elle a un coût pour Tesla. Elle a un coût à produire. Et in fine, ils ne peuvent pas fournir de l'électricité à tout le monde gratuitement. Après, pour l'équivalent d'un plein de 0% à 100%, je crois que le plein de superchargeur va coûter 8 ou 9 euros. Là où ton plein d'essence coûterait quand même peut-être 50 euros. Donc il faut mettre ça aussi en perspective. Le plein électrique coûte quand même beaucoup moins cher
qu'un plein d'essence. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette Tesla Model 3 Performance. C'est vraiment une très belle évolution, je trouve, chez Tesla de la gamme. Ah oui, j'ai oublié de vous parler un truc très très important. D'où vient la dénomination des modèles chez Tesla ? Modèle S, modèle X, modèle 3, et là ils viennent d'annoncer le modèle Y. Alors si on remet tout ça dans l'ordre, je vous le refais. S, 3, X, Y. Voilà, ça c'est une idée de chez Tesla, de faire ce mot-là. Ils voulaient appeler le modèle 3 le modèle E, donc ça aurait vraiment fait sexy, mais Ford avait déposé le nom pour le modèle E. Donc Elon Musk aime bien dire Ford killed sexy. Et voilà, la gamme chez Tesla, elle est sexy. Voilà. Donc c'est un petit peu dans la veine de ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, où il y a tous les gadgets, le fonctionnement de l'ordinateur et les Easter eggs dans l'ordinateur de chez Tesla. C'est une compagnie d'âge mental assez jeune et ça fait du bien. C'est un petit peu moins sérieux que les voitures allemandes. J'espère que cet essai de la Model 3 et un petit peu des problématiques nouvelles, inattendues, qu'elle pose à la conduite et aussi en termes d'écologie, en termes de philosophie de conduite pour qu'on achète une voiture électrique. Au final, est-ce que c'est vraiment moins polluant? J'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, parce que j'ai essayé de tout traiter, il y a tellement de choses à dire sur cette voiture, ça en fait presque mal à la tête. Quand il me l'a mise en main, le monsieur de chez Tesla, il y a eu au moins une heure pour m'expliquer déjà la philosophie de la voiture, puis une heure pour toutes les fonctionnalités. Donc j'espère que j'aurai fait quelque chose d'assez complet. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur la Model 3. Moi, j'ai adoré la conduire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifs. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, ciao.